Coucou tout le monde, nouvelle vidéo du jour, cette fois-ci on part en GDA contre une très belle alliance russe qui est un peu en train de nous la mettre bien profond, hein, avec un niveau d'alliance bien supérieur au nôtre. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même se battre, on va voir ce qu'on peut faire, essayer de faire des points. Je pars contre cette équipe en mono rouge, voilà, je n'ai pas trop envie de partir en jaune avec Ursena. Et puis je pense que c'est une équipe qui peut être sympa en renvoyant le. Je vais y arriver à tout ce qu'on peut. Tout ce que je vais pouvoir avoir de Vela, d'Ursena aussi. Et bon. L'aveuglement, l'effet maléfique de Zox, décidément c'est dur ce soir. Donc on va voir ce que le rouge me réserve. Ça tape très fort en face. C'est vraiment costaud. Bon, alors là, on a pas grand chose à part un petit combo. Que je vais faire, ce sera toujours ça de prix. Voilà. Je peux faire un autre. Un autre match rouge ou alors essayer plutôt de faire remonter du rouge par ici, ce qui n'a pas lieu. On va voir ce que ça fait. Voilà, je vais me débarrasser du diamant. Et là, voilà, là j'ai un beau dragon. Je vais essayer de taper fort ici. Et peut-être de tuer le chaboté. Voilà, sans déclencher Vela. C'était mon but. Bon. On va frapper à droite. On va se soigner. Baisser la mana de tout le monde. Voilà, je vais pouvoir taper sur. Enfin, envoyer des tuiles sur Vela. Puisque madame est chargée. Allez. Viens t'empaler sur le renvoi. Il ne reste plus grand chose. Et tu meurs. Voilà, on va pouvoir faire du rouge ici, parfait, voilà. Je ne demandais pas tant, je l'ai eu. Super, ça s'annonce bien. Alors, on va augmenter l'attaque, baisser la défense contre le rouge. J'ai rien à renvoyer, mais c'est pas grave. Et là, on va y aller les trois, qui normalement vont s'occuper du reste. Voilà. Terminus, bon, les tuiles étaient quand même là, hein. C'est bien. Alors, deuxième attaque du soir, je vais essayer de passer ma mono bleue. C'est une des mes équipes, des monos des plus forts que j'ai, donc je pense que je vais essayer cette équipe-là. C'est costaud, hein, c'est tout en blémé 20, c'est rapide. Et je pense que c'est Sonia costumée qu'il va me falloir, parce qu'il y a énormément de choses à cleanser. Donc je vais sortir la Miss Costume. Allez, voyons voir ce que le bleu nous réserve cette fois-ci. Alors, c'est pas folichon, c'est pas dégueulasse non plus. On va faire celui-là. On a un combo ici que je vais faire, et là on n'a plus rien. Ah, si. Là, j'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. Je peux charger tout le monde, donc je vais pas me gêner. Et je pense qu'il y en a un qui va mourir plus rapidement que les autres.
Je sais plus, Aslar. C'est sur trois personnes, non? Dils. Ok, il fait 410% de dommages si la cible a moins de vie. Ok, target. Alors, il serait intéressant de taper. Il serait intéressant de mettre. Ouais, il serait intéressant de mettre Skadi. De mettre Skadi maintenant. Voilà, et là je pense que je peux taper Azlar avec Seigneur Loki. Et là il peut faire mal. Voilà, il va se charger de brûler à petit feu Frida. Je vais m'occuper maintenant de Heimdall. Voilà. Heimdall, c'est un peu le. L'ennemi public numéro 1, si je peux dire, donc. Donc il faut s'en occuper. Voilà, Frida nous a quittés toute seule dans son sommeil. Hop. Bon, ça va, j'ai le bleu que j'attends, donc ça farte tout seul. Bien. Bon, ce mono bleu, quand il y a des tuiles, hein, il... Alors, troisième drapeau contre Pavle Wanka. Et là, je pars en fort. Je pars en fort contre Kageburado, et l'objectif ça va être d'empêcher au maximum de se faire déclencher Vivica et la Reine de Cœur, qui peuvent être très 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 pénibles si ça s'enclenche. Alors voyons voir ce que le jaune a dans le ventre ce soir. Eh ben on commence par un diamant. Alors, y a-t-il autre chose à faire d'intéressant avant? Je pense qu'on va pas se priver. Oh putain! Oh le gros doigt, sérieux, c'est pas cool, Juju. Oh putain, la faute de frappe. Bon, intéressant. Mais comment on peut être aussi nul? Allez. Oh là là, j'en ai les boules encore. Ah, elle va se déclencher l'autre. Oh là 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 là, mais c'est pas vrai. Mais quelle quiche! Mais quelle quiche! Bon. Bon, si tu pouvais taper. Voilà. Très bien. Hop. Ouais, ça c'est parfait, ça par contre. J'aime bien. Encore un petit peu de jaune. Si tu as petit jeu, encore un petit peu de jaune. Voilà. Eh ben j'aime. Je vais changer quand même. Voilà. Top, 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 top. Oh, elle était pas censée. Non, 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 elle était pas censée. Non, 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 pas cool. Elle était pas censée se recharger. Alors,
Vous allez continuer. Moi, je vais me remettre. Voilà. Et toi, je veux vraiment que tu meures, s'il te plaît. Sois gentil. Merci. Bon. T'es chargé, donc il va falloir que je me débarrasse de tuiles. Voilà. Ça va, ça tient le choc. On va continuer ici. Par contre. Tant pis, je prends un risque. Hein. Je sais que je prends un risque, mais il faut bien le prendre. Hein. Et là, il est pas mal calculé mon risque normalement. Puisque je vais rebloquer. Enfin. Pas bloqué, mais rebouffer de la mana à droite pour pas que ça se déclenche. On va reprendre le renvoi. Je vais appliquer la règle d'entamer ici. Et ici, je vais tuer. Voilà. Bon, parfait, un jaune ici. Alors par contre, elle va déclencher, elle. Elle est quasiment morte, c'est parfait ça. Il lui reste combien? 35 points de vie. Eh ben, on va faire ça. Et ça. Et ça passe. On va juste attendre que Lyanna vienne se scratcher. Allez, trois cibles. Et eh oui, parfait. Eh ben, ça démarre pas mal, ça, en fait, cette histoire. Et j'ai quand même réussi à gagner en faisant une grosse, 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 grosse erreur de manipulation de puzzle au début. Cool. Cool, 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 cool. Voilà, avec 3 OS, ben, on va voir tout à l'heure ce que ça va donner. Il y a pas mal de fermetures à faire, quand même. Il y a pas mal de fermetures à faire. Va falloir être costaud, mais ça va quand même être compliqué. Hein. 35 frappes restantes. 36, donc on est à niveau équivalent de frappe. Ils ont 400, 423, 400, 433 points de plus. 288 000 scores d'alliance. Merde. 306 000. Voilà. Voilà. Bon, allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, nous revoilà les copains, on va faire des petites fermetures, enfin une petite fermeture au moins, pour aider l'équipe à faire le rip-hop, et puis on va essayer de terminer ce bout d'équipe avec un deuxième mono jaune, en espérant avoir un peu de tuiles. Griffin, c'est pas mal pour contrer le renvoi de Sif. Alors, on a déjà de quoi s'assurer un petit quelque chose. Est-ce qu'on peut se séparer de Kunshen? Eh ben oui. Alors comment je peux m'en séparer? Tout simplement, je crois comme ça. Voilà. Ça c'est fait. On va se charger. Voilà. Hop, le soin. On va baisser la mana de tout le monde. La priorité, c'est Sif, la plus pénible. Ça, c'est fait. On a encore 3 jaunes ici. On peut taper. On a encore un 3 jaunes là.
Voilà, ça assure la fermeture. Vas-y, mon coco, tu peux taper sur qui tu veux. T'es foutu. Voilà. Du coup, on va attendre que tout ce petit monde ripop. Et on fait. Allez, nous voilà repartis dans l'avant-dernière attaque de cette JDA et on va passer le mono vert. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait des fermetures parce qu'il y en avait vraiment pas mal. On a essayé d'en faire au moins chacun une et c'est comme ça qu'on avance. Allez, c'est parti. Alors, pas foufou comme puzzle, surtout que non seulement il n'y a pas beaucoup de tuiles vertes, mais en plus il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions à côté. Celle-ci, voilà, ça en fait au moins 3 ici, mais on a déjà chargé. Ah, ouf, je suis pas passé loin. Oh putain, et il avait quasiment plus rien. C'est pas grave, si on charge passif, ça va bien se passer. Falloir que ça s'arrête là. On augmente la défense. Ah, faut que je le tue, Kunshin, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix et il faut ici que je fasse un maximum de dégâts. Et que je remonte du vert le plus possible. Ouais, ça c'est pas mal. Alors il va me bloquer Mélandor. Bon, ok. On fera 100. J'ai 3 tuiles vertes ici. C'est bon, il s'est passé ce que je voulais. C'est pas grave, je m'en prends dans la tête, mais j'ai le combo qui va me la tuer. Et il faut surtout pas que ça déclenche. Voilà. Surtout pas que ça déclenche Kagan, parce que Kagan, je me le fais avec les deux. Avec Fogliana. Voilà, parfait. Logiquement, c'est terminé. Oh, pas cool. Voilà. Allez, l'OS sur l'avant-dernière frappe. Et on va aller regarder ce qu'on va faire maintenant. Bon, dernière attaque. Il faut que je passe ma violette. Je vais mettre le rigueur non costumé. Je prends un petit risque, j'ai pas de hausse d'attaque. Mais j'ai besoin de soins, ça tape vraiment trop 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 fort en face, j'ai besoin de soins forts et directs. Donc on va voir si ça peut passer. C'est compliqué, je sais pas si je mets... Comment il s'appelle? Merdouille. Karnov. Karnov est un peu limite limite, il est lent en plus. Mais c'est clairement prendre un risque.
Ça peut remplacer mon boost d'attaque avec le boost de tuiles. Clarissa, elle m'apporte de la rapidité quand même. Clarissa m'apporte de la rapidité. Je vais tenter avec cette équipe. Allez, c'est parti. Pouh. 4 tuiles sur le puzzle, bah avec ça. Avec ça, mes amis, je vais pas aller bien loin. Un match. Ouais, bah ça va se limiter à un match. Hein. Ah, 2 matchs. Bah, 2 matchs, mais bon, je me prends quand même Malikna dans la gueule. Là, on va essayer de faire sortir de la tuile. Alors. Voilà. Donc là, je place Béra pour empêcher, si possible. Pour empêcher, si possible. Oh ouais, j'avais besoin de soins, mais. Il y a Faiseur de tombe qui va déclencher. Il y a Faiseur de tombe qui va déclencher. Avec un peu de chance. J'aurais dû attendre en fait là. J'ai pas assez réfléchi. Oh, comme par hasard, elle tape sur Tiburtus pour le tuer. J'hallucine. Ça fait mal. Allez, on a encore 3 tuiles ici. Ça va me recharger le regard. Donc là, je vais y aller quand même. J'en ai besoin. Je vais essayer de d'entamer un max fog. Et de prier pour avoir du violet ici. Alors ouais, je voulais du violet, mais sur lui. Bon, un peu sauvé par. Un peu sauvé par le gong, comme dirait l'autre. Fogg va mourir. Voilà, avec cette tuile de toute façon. Ah non, oh non, oh non, 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 non. Voilà. Allez. Ouais, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. C'est pas gagné, mais ça sent bon. Je vais prendre un risque et essayer de tout faire péter ici pour déclencher de la tuile. Il faut prendre des risques, on est obligé. Si on prend pas des risques, on n'y arrive pas. Parfait, sur un seul, ça m'arrange. Je vais me soigner. Et je te fais la peau. Allez, 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 allez. C'est terminé, mon petit coco. Ben, j'ai bien fait de mettre Régard en normal. Sinon, je pense que je serais plus là. Bon, et ben, on est sur une GDA. On est sur une GDA quasi, quasi parfaite, hein. On est sur une GDA quasi parfaite. 5 OS et une grosse fermeture. Donc c'est cool. Merci aussi les copains. Merci à tous. Et bon, faut être honnête, hein, ça va être compliqué cette GDA. Il nous reste 82 frappes, il en reste 104. Et on est à égalité de points quasiment. Donc on ne se fait pas d'illusions, mais on fait notre taf.
On est à 80-80, donc on a un peu dépassé la moitié de la GDA. On est à 3075 points, donc je sais pas si on va passer les 6000. Mais on se bat, hein, on se bat contre beaucoup plus costaud que nous. Et ben le principal c'est de taper. Allez les copains, je vous laisse, je vais dormir. Bonne nuit, ciao ciao.